J'ai appris à affronter mes peurs face à la caméra. Je sais me regarder. J'ai envie de me faire plaisir tout en passant des castings. Envie de connaître l'univers du casting. Envie de prendre conscience de mon image. Envie de révéler mon point de vue et mon originalité. Je veux, mais je ne connais pas assez le milieu. Et cela me fait un peu peur de me lancer. Je me verrais bien acteur ou actrice dans un film, mais je ne me sens pas suffisamment à l'aise par rapport à la caméra. Je ne sais pas me préparer seule, et je n'arrive pas à m'auto-évaluer. J'ai déjà passé des castings, mais je ne sais pas trop ce qui n'a pas marché. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire pour me présenter. C'est pour moi car j'aime les défis, j'aime me confronter à la caméra. J'ai envie de partager mes expériences de casting avec un coach. Je désire connaître mes points forts, les mettre en avant et voir ce que je peux améliorer. Ce n'est pas pour moi car je pense que tout m'est dû. Je suis l'acteur que tout le monde attend. C'est la loterie. Je ne peux pas influer sur mon destin. Ça ne sert à rien de s'améliorer. Je ne me lance pas de défi. J'ai pas d'audace. C'est indispensable pour moi, car je me dois d'être fiable pour le casteur. Je veux savoir décrypter les annonces. J'ai besoin de m'entraîner sur différentes simulations de casting. Je veux comprendre les rôles pour lesquels je peux postuler. Alors, place aux simulations de casting. Face à des pros. Directeur de casting, producteur ou réalisateur m'interroge pendant ma présentation. Et parents et amis sont invités pour assister à une simulation de casting. Alors, je m'inscris à la salle Espace Beauchat de l'école Paris-Marais, 22 rue du Sergent Beauchat, Paris 12e. Une semaine de stage inoubliable, je réserve au 01 48 04 05 57 et sur www.écoleparismarais.net. J'ai apprécié d'avoir des infos sur la profession que je ne connaissais pas. J'ai appris plein de trucs simples, pratiques et concrets sur le milieu des castings. Inès, 13 ans.